Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout va bien pour vous. Je me rapproche un peu, voilà. Ici Jake, sur Riva Sound Studio. Et j'ai envie de vous présenter un jeu qui me titille. Il me titille depuis le mois d'octobre. C'est Super Mario Bros. 35. Ce jeu donc, qui est sorti au mois d'octobre, c'est pour fêter les 35 ans de Mario. Et c'est un jeu à durée limitée, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se termine là le 31 mars. Là, maintenant, on est le 1er mars, dans, à la fin du mois, c'est finito. Il est gratuit pour les abonnés au Switch Online. Et c'est un jeu que j'adore. Vraiment, je l'adore. J'ai fait Super Mario Bros. 1, j'ai fait Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario 64. Et là, c'est Super Mario Bros. 35. C'est quoi le principe? Vous voyez Tetris 99? Peut-être, peut-être pas. Super Mario Bros. 35, c'est un Battle Royale sur Mario. Donc un Battle Royale, on est 35 personnes, des randoms, à jouer ensemble à Super Mario Bros. 35. Et on s'envoie les ennemis, les uns les autres, à travers l'écran. Et jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Et là, générique du maillon faible. Voilà, tout simplement. L'interface se présente comme ça. Je regarde si Streamlabs ne plante pas à côté. Salut Ralga. Streamlabs a l'air d'être content. C'est un jeu que je voulais faire depuis très longtemps. Mais j'ai un souci de carte d'acquisition, donc je pouvais pas. On avait testé. Il est là et je suis trop content. Voici l'écran d'accueil. Je suis niveau 279 ou 79 étoiles. Oui, j'ai torché le jeu. Les icônes qu'on peut avoir en fonction des niveaux, au fur et à mesure des niveaux, on monte, on a plein d'icônes, les voilà, elles sont toutes là. Toutes. Il en manque aucune. Elles y sont toutes. Vraiment. Il me manque un truc à faire dans le jeu. Un seul truc et je vais vous montrer. Pour avoir le jeu à 100%, parce que oui, on peut le faire entre guillemets à 100%. Il faut réussir tous les niveaux. Au fur et à mesure du temps, pas à la suite, hein, bien sûr. Et c'est le cas. Sauf pour le 8-2, je suis jamais tombé dessus. Le 8-4, je suis un petit peu tombé dessus, mais j'ai pas réussi. Et le 7-4, on le voit là, je suis déjà tombé dessus. Et je l'ai pas vraiment réussi. J'étais proche, donc ils me l'ont mis en l'entraînement quand même. Tout le reste, c'est fait. Je vais vous montrer après. Je vous montre un petit peu des statistiques. J'ai déjà 50 heures de jeu dessus depuis le mois d'octobre. Parce que j'y joue tous les jours. À minuit, il y a des nouvelles quêtes, je vous explique ça après. J'ai fait 502 parties jusqu'à présent. Meilleure position en top 1. Nombre de victoires en première position, j'ai fait 31 top 1. Sur 500 parties. Donc vous faites le pourcentage. Nombre total de pièces ramassées. Record de pièces ramassées en une partie. Nombre de KO. Nombre de KO total, c'est le KO de combien de gens qui jouent que j'ai mis KO, on va dire ça comme ça. Record de KO en une seule partie, 7, ce qui est vraiment un bon score. Nombre de pièces ramassées, nombre de sauts, distance parcourue, ça va, ça fait une petite randonnée. Record de distance parcourue en une partie, ennemi vaincu, record d'ennemi vaincu à la suite, etc. Les blocs, les objets, les champignons, les fleurs, les étoiles, les blocs POW. Ils sont vraiment inédits à cette version de Super Mario Bros. À l'origine, il n'y en a pas. Ou alors, je n'ai pas le souvenir. Il prévoit jusqu'à 999 heures, manifestement, du coup, t'as peu joué. Challenge accepté. Mais je suis pas sûr qu'il y ait 9999 heures jusqu'à la fin du mois. Le jeu est temporaire. Et les champignons et les records de joueurs qui vous prennent pour cible en même temps. Donc, j'ai déjà eu 14. Merci Sachoudis pour le follow, c'est très gentil. Je me suis pas trompé, j'ai dit follow. Record de joueurs qui vous prennent pour cible, voilà, c'est 14 personnes parmi les 35 qui vous prennent pour cible en même temps. Rude partie. Ennemi vaincu, j'ai vaincu 94 381 Goomba. Des Koopas, des plantes piranha, des Koopas comme ça, des Koopas volants, des Koopas volants verts, des Pic-Pic, des Bloops, des Bowser. Des Magikarp, c'est pas le même jeu, mais vous voyez ce que je veux dire. Des frères marteaux, ah, mon ennemi préféré, là qui tue, le nuage là qui tue, il est magique. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous l'avez vu passer, j'ai pu faire la météo avec. Un peu plus de 416 jours pour, ah ouais, plus d'un an. Ah ouais, mais c'est pas possible du coup, vu que le jeu il dure que 6 mois en fait, rude. D'autres Magikarp, les Bilbal. Cela et les flammes des châteaux qui sont des ennemis. On peut les tuer. Vous le saviez pas? Bah maintenant vous le savez. Et résultat récent, je ne vous le montre pas.
Non, on verra ça plus tard. C'est volontaire, vous allez voir. On va voyez en bas défiler un bandeau orange. C'est pas BFM TV, c'est pas CNews, non non, c'est pas France Info. C'est les quêtes du jour. Les quêtes du jour qui iraient pop à minuit. Elles sont faites. Depuis minuit hier soir, minuit 5, minuit 8, c'est le temps de les faire. C'est fait, vous inquiétez pas. On les fera vraiment en live une autre fois, quand on pourra. Je vous propose de lancer la bataille. À la bataille, comme dirait je sais plus qui dans League of Legends. Voilà, donc ça c'est tous les niveaux que j'ai fait. J'ai fait. Alors vous voyez le monde 1-1 là-haut là, en haut à gauche. Il est marqué 999, c'est pas vrai. Hein. On va le voir à l'instant. C'est qu'on ne peut pas faire plus de 999. Enfin, là, c'est. On peut pas aller au-delà de 999, mais en vrai, il a été dépassé. Quand vous voyez le 7-1, je l'ai fait une fois. C'est pas énorme. Bref. Let's go. Moi, j'ai vraiment envie de faire le 7-4 en fait pour le finir. Juste voir un chiffre à côté. Et idéalement laisser de là. On va pas lancer les prédictions de suite. L'objectif, c'est bien sûr top 1. Pas sûr qu'on y arrive. Faites vos prédictions dans le chat, en gros. Faites vos prédictions dans le chat. C'est vraiment, je vais être en mode tryhard. Je vais pas beaucoup parler. Oubliez de suite. C'est ce jeu, je l'adore. C'est vraiment, je l'adore. Vous voyez là à l'écran, il y a 35 Mario. Moi au milieu. Hein. C'est mes ennemis. C'est les autres joueurs. La caméra en cache 3. Là en cache 3. Je peux faire plein de choses. Alors voilà, là je me mets direct en riposte. Comme ça, les ennemis... qui m'attaque, je leur renvoie sur la gueule ce visage même. Parce que ils m'envoient. Allez, c'est parti. S'il y a du léger décalage, c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Oui, les 5-10 premiers morts en général sont très étranges. Faut pas s'inquiéter. Vous voyez déjà, ça fait quoi 10 secondes, même pas un peu plus. On est déjà plus que 25. Pas ouf. J'ai pas compté les pièces. Et j'ai hop. Allez go. Normalement sur le premier bloc pièce j'arrive à 13-14 pièces. J'ai un peu de mal à me concentrer en parlant un peu. Un gros défaut que j'ai pas. 6-1 direct. Waouh. Ah ouais. Ah oui, ça c'est une partie qui va être très intéressante. Ouais, bah ça sera pas le top 1 là maintenant, je vous le dis de suite. Hop là, allez. Viens là. Yes, allez, un peu de calme, un peu de sérénité. Mais ils vont revenir, hein. Vous en faites pas, ils vont revenir. On les voit, voilà, il est là. Lui. Oh, wow, oh là là. Au secours. C'est pas grave, il faut tracer là. Là, il faut tracer. On est dans la merde. On est bloqué, c'est le piège. Et c'est la mort. Bon, tant pis. C'est très compliqué là. Je m'attendais pas à un 6-1 dès le début de la partie, je vous avoue. On est 11. 11, c'est pas. Ouais, non. On regarde pas la suite, on enchaîne direct. Faut mettre la caméra sur le bord à gauche. Plus sur le bord à gauche, j'ai le temps, je vais essayer. Attendez, je la cherche. Putain, là. Voilà. Et c'est reparti. C'est vrai que la caméra se change tout le temps par rapport au jeu auquel on joue. Et j'avais bougé, et c'est vrai que je ne l'avais point remis. Bon, 11, c'est pas ouf hein, pour un premier, une première partie. 11. En général, si je suis pas dans les 5, je suis pas content. Vraiment pas content. J'espère que le son... Voilà, je parle et du coup, je fais des conneries, quoi. J'espère que le son est correct. Je parle un peu fort. Ça va faire râler les voisins, mais c'est pas grave. C'est le jeu qui veut ça. C'est là. Voilà, garde pas ce frein, allez, go. Passer un message son, ok, merci beaucoup pour le retour. Premier qui se fout de ma gueule parce que j'ai une écharpe et un bonnet. Zut, j'ai froid.
simplement j'ai froid. Mais froid en mode frileux, c'est juste ça. Alors, en fait, dans la partie. J'ai volontairement pas pris de café avant Mario 35. Parce que sinon. Tu peux passer au-dessus pour skip le niveau. Oui, mais non. Tout simplement parce que regardez les ennemis là. Ils font des secondes en plus pour moi. C'est pour ça que je ne passe pas au-dessus du niveau. On le fera peut-être après. Ce qui est bien, c'est que du coup avec la caméra, vous voyez sûrement pas ce en bas à gauche. Oh si, vous voyez un petit peu. Et c'est les trois là qui m'embêtent, je pense. Et l'encadré à côté du 17 à droite, c'est ça. Encarté même. Là. Allez, plus 15 secondes, voilà, c'est bon. Pourquoi tu prends une fleur alors que t'en as déjà une? Parce que ça me fait plus 15 secondes tout simplement. Voilà ma petite étoile, reviens là. Un peu plus c'est mon bloc étoile, je l'avais zappé. J'ai eu un petit coup de lag là. Vous avez dû le sentir passer. Ah! Génial, un 8-1. Alors dans Mario Bros classique, hein, le normal premier du nom, hop là, il y a 8 mondes de 4 niveaux chacun. Et on peut en skip certains, par exemple quand on arrive au niveau 1-2, vraiment on passe derrière le niveau, c'est legit. Hein. Vous avez un choix avec 3 tuyaux, et il vous amène vous avez une proposition de 3 autres niveaux, et en skippant quasiment tout le monde 2 en fait, voire même le monde 3. Il amène au 4-2, du 4-2 on peut skip aussi, on peut, dans le 5-1 ou 5-2 il y a un skip aussi. Alors skip bien sûr c'est pas un kangourou hein, comme je dis. Mais ça ne faisait plus du tout bloc. Galère. Ah plus. On attend que ça passe. Top 5. Musique change, on est en 5, hop là. Et là il y a une étoile quelque part, faut pas la rater. Yes, allez on trace. Allez, yes. Un peu plus les champignons, je le rate. Là c'est là c'est la caca là. Ça c'est ma hantise. Yes. Wow. Ok. On passe. Allez c'est bon. Normalement on le termine. Normalement on le termine. Allez, ça passe. Est-ce que c'est redondant? Pas du tout. Oui, en vrai, si, c'est redondant. C'est un challenge, ce jeu. C'est impressionnant. J'aime pas les Battle Royale d'habitude. Bon, alors, celui-là, c'est mon bonbon. Quoi. Tetris 99, je l'ai essayé plusieurs fois. J'y retourne de temps en temps dessus. C'est pas pareil. Beaucoup plus de mal sur Tetris 99. Tetris 99, c'est le même principe. C'est des joueurs qui jouent ensemble à Tetris, mais ils sont pas 35, ils sont 99.
essaiera d'être un petit 4, mais... Ah, voilà, ça c'est cadeau. Allez, on repart. Petite toile. Non ! Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. On est en 4. Voilà, bon, on passe en... On leur balance peu de temps. Mince. Ah, flûte. Bon, c'est pas grave. Donc oui, riposte, je l'ai expliqué. Peu de temps, bah, c'est pour leur laisser peu de temps. Vous voyez le temps défiler en haut à droite. Pièce max, c'est pour limiter les leurs pièces. Vous voyez en haut à gauche de mon écran. Et aléatoire, bah, c'est son nom. C'est aléatoire. Oh non, il y a un bout. Par contre, j'aimerais bien avoir... Oui, soit du nettoyage, soit un champignon, en fait. C'est parfait. Et là, ouais. Et... Ils sont tous en pièces max, hein. Je manque un peu de pièces, moi. Regarde les écrans des autres au passage, vous voyez. Bon, 5 pièces qui clignotent, c'est qu'ils ont le stock de pièces. Ça va clairement. Hop, hop, hop. S'il y en a un qui voudrait bien disparaître, ça m'arrangerait. Ah, j'ai raté la carapace. Gentil ça. Ça c'est gentil. Petit rattrapage là, que plaise. 3, 4, 5. Raté le 5. Qui apparaissent en bas de l'écran. Ce ne sont pas des indices pour vous chez vous. Non. Hop là. Ce sont des gens qui veulent ma peau. C'est la galère. Que je voulais ça. Voilà, super. On fera du clean comme ça au moins. Et j'aurais pas pu récupérer mes pièces. Non, il a passé. Bon, moi je me fais toucher, pardon. Voilà, j'étais concentré sur l'écran de l'autre joueur. C'est pas bon. Oh, on me fout du temps en moins là. Ça, c'est pas cool. Un petit champi. Ou une étoile. Bon, ouais. Allez. Et là, on fait attention, recul, attention. Ouais, mais non, mais l'étoile là c'était pas le plus pertinent. Hein. Oh non! Non, pas ça! Je déteste ce niveau aquatique. Pire chose. Hop. Ah bon, bah quatrième, hein. Tout ça sur un niveau aquatique. Ah, j'ai les boules. Vraiment, j'ai les boules. Bon, on regarde les autres ce qu'ils font en attendant. Je regarde Braxton, celui que je regardais tout à l'heure. Comment il s'en sort? Ah, hyper. Sur hyper. Il y a un mec en bas à droite, il est en niveau lave. En haut, tout en haut, niveau aérien.
Braxton qui récupère sa fleur. Le lancer de carapace, il récupère. C'est pas mal ça. Pas mal ce qu'il fait. Petite étoile cachée. Ah, ah, il a raté. Vas-y mon gars, fonce. T'as pas beaucoup d'ennemis sur ton terrain par contre. Tu vas avoir un souci tant à un moment donné. Ok, il finit le niveau. Il revient sur le 1-1. Petite fleur. Oh, ça devrait bien se passer. Là, celui en bas à gauche, il est sur le 1-1 aussi. Il vient de manger une plante piranha. Il récupère l'étoile et la fleur. Alors que pendant ce temps, Braxton, il est pépère tranquille. En haut, il est sur un niveau de lave. J'arrive pas à voir, ça doit être un 1-4, je pense. Ouais, c'est un 1-4. Mais fonce, mec! Allez, Braxton, fonce! Ah, il va se manger le temps. Là, le temps, ça lui fait défaut. Là. Il est pas assez rapide. Il aurait dû être plus rapide sur ce niveau. Il perd beaucoup trop de temps. Ah! Ah, bah, il passe sur le 1-4. Le plaisir. Ah, le petit plaisir! Le Bowser surprise! C'est comme un Kinder, mais c'est un Bowser. Aïe, 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 aïe. Ah. Celui en haut, tout en haut, il a mangé du temps, du coup il a perdu. Et là, lui, alors lui, il est dans la mouise. Pendant ça, en bas à gauche, il se sent bien. Ah, attends, non, il est tout petit, il est devenu tout petit. En bas à gauche, il est devenu tout petit. Allez, Braxton. Est-ce que ça passe? M'étonnerait. Il y a du temps en moins aussi en bas à gauche. Oh, alors qui a gagné du coup? C'est Braxton. Braxton est passé premier. Salut, tu sais qu'il existe de jouer avec tes viewers. Oui, je sais. Merci, Kamedorago. Allez, on y retourne cette fois-ci. J'aimerais bien tomber sur ce 7-4 et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et Kamedorago, Iva Sound, c'est le nom de l'association. En fait. Et cet après-midi, c'est Yaki qui stream. Ouri. C'est trop bien, Ouri. C'est poignant, mais c'est une très belle aventure. Bon, on a fait le quatrième là tout à l'heure, on fait combien? À vos pronostics. Ah, c'est sûr ça. Je comprends pas les mecs qui... Pardon. Les gens qui perdent sur le premier Boomba. Ça m'est arrivé au tout début, vraiment au tout début, quand, vraiment en octobre quand je prenais le jeu en main. Mais sinon... Attention. Celui-là il me fait plaisir à chaque fois. Ça propose pas les mêmes niveaux que le jeu normal en fait. Ah,
Ah, je suis allé en plein dedans. Je suis allé en plein dedans. Oups, hop, 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 oups, oups, oups. Voilà, hé. C'est pas passé loin. Ils sont combien là? Allez, ça passe. C'est pas grave, on récupère la fleur. C'est pas grave. Il y a 20 pièces par là. Oui, les vies ici, ça apporte pas, c'est plus de 20 pièces. Allez, fleur secrète, attention. Enfin, secrète, ça bloque quoi. Ils vont pas te dire, eh, en fait, ici. Là, bon, tu devines bien que à certains moments, il y a des choses intéressantes. Après, là, il y a que des pièces. Juste ici là-haut, il y avait une liane pour aller à travers les nuages, à travers les âges. Je me disais, je ne sais plus quel chanteur. Attends. Le ciel. Et puis ça s'est feuille gaufrée. Contestable est celui-là. Hop hop hop, le Goomba mystère. On ressaute et on se barre. 3-2. Fleur. S'il vous plaît, je sais que c'est une fleur, merci. Allez, go, on trace. Rosa gratos. Ok. Jackie, je l'ai. Merci, Majiro. Même époque, ouais, que Hugo Frey, je cherchais le nom tout à l'heure, je sais pas. Mais oui, c'est Gilin, oui. Regardez, regardez. Voilà, un Bowser à moins, rien qu'avec des petites boules de feu, là. Vous voulez voir le piège de la tortue, regardez. Hop là, elle s'est retournée ici. Méchante. Ça c'est piégeux pour ceux qui connaissent pas. Allez, 13 pièces, 1, 2, 3. Ah, 13 pièces, allez go. Je crois que c'est le seul bloc qui donne autant de pièces. En vrai, il donne... Bon, si on fait une pause en temps de table, bien sûr, il donne moins. Hop là, viens là toi. Mais sinon, ouais... 12 pièces. Regardez les nuages, on va voir si je peux vous montrer si je meurs pas avant. Regardez, oh mon dieu, il est là lui. Oh la surprise du chef, eh. Vas-y, tombe. Allez! Vengeance! Ah, pas de vengeance. Mince. Oh, il est piégeux. Alors, lui, ce Bowser, il m'a troll, mais. Il m'a fait flipper, hein, ça. Petite
Pourquoi Mario il a une moustache et pas une bouche, d'après vous? J'essaie de donner des anecdotes au passage. Parce qu'à l'époque, ils avaient beaucoup de mal à animer et à mettre des sprites tout correctement sur les persos. Ils se sont dit, tiens, bah, c'est difficile de lui faire une bouche, on va lui faire une moustache. Pareil pour la casquette, trop difficile de faire des cheveux, on lui met une casquette. Et Luigi, bah, on fait le même, mais d'une autre couleur. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Hop là, si vous avez bien observé les nuages, regardez le buisson. Oh, bah c'est juste un nuage vert. C'est la même chose, nuage, buisson, même chose. Même chose. Mais au même endroit, faut vraiment que j'arrête de... J'appuie jamais sur le bouton courir, si, je suis quasiment en permanence dessus en fait. Ah, j'ai raté. Fais attention, voilà. On a trois, les trois, ils sont trois contre moi en mode temps, en mode peu de temps là. Ah. Non! Tout ça parce que j'ai rebondi sur un Goomba et je voulais pas rebondir dessus, quoi. 5. Du coup. Ah, bah ils sont plus que 2. Bah, ça allait vite. Alors, DJ Rocky ou alors. Andrew. Bah, on va regarder Andrew. DJ Rocky. Ah, ils ont plein de pièces tous les deux, n'empêche. Ils ont plein de pièces tous les deux. Ils auraient tous les deux un peu de temps, je pense. Si ça te dit, tu proposes une heure exacte pour commencer la game et en vérifiant l'heure sur le site Time Is, on appuie tous en même temps. Ah ouais, mais faut être synchro, hein. Alors, ce sera pas pour aujourd'hui, mais ça peut se faire par la suite, ouais. Qui a gagné du coup Andrew. Bah, bah comme quoi. Ah mais ils étaient à un niveau un peu plus élevé aussi.
Allez, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Ça marche assez souvent. D'accord, ok. Ok, ok. Je retiens. Après, l'inconvénient, c'est qu'une fois que la partie est lancée, on n'a pas les pseudos des gens avec qui on joue, on a les pseudos qu'à la fin sur les résultats. Bon, on a fait 4, 5, et on a commencé par une game vraiment pas bonne. On va essayer de faire un peu mieux quand même. J'aimerais bien faire au moins un top 3. Non, pop, 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 pop. Ouh, oh. J'ai failli glisser, enfin j'ai glissé, mais là, le rattrapage de dernière seconde là. Là qui tue, bah c'est ce qui tue que le mieux en fait. Pire perso du jeu quoi. Je vous montrerai peut-être ça. Allez, go entre ça. C'est Bowser. On va y aller à modulo, pas cette fois. J'aime bien des fois y aller à ce niveau là, à modulo, c'est-à-dire on trace, les ennemis ils ont pas le temps de pop. Il reste que Bowser à la fin. Je passe dessus, nickel. Mais là c'est pas possible. Ah bah tiens, parlons du loup. Allez. Ah dommage. Oh non, eh hey, mais ça on se calme, oui. Voilà, c'est bon. Il restera en bas. C'était le chat s'est croisé des flammes. Là il peut pas sauter. Hop la carapace. Voilà. On a eu Bowser à la carapace, c'est honteux, mais c'est magique.
Oh, 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 oh. Ça, c'est pas cool ce qui m'attend là. Deux plantes piranha. Je peux pas aller chercher ma fleur, moi, du coup. J'ai raté le timing. J'ai raté le timing. Oh, la plante piranha, elle m'a frôlé. Non, c'est moi qui l'ai frôlé, mais c'est passé à un poil, un poil, un poil, bien sûr, mais c'est pas pour faire des crêpes. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des crêpes, peut-être en refaire. Abonnez-vous d'abord. Il y a un Bowser qui nous attend pas loin. Attendez, on va y aller au rebond. On peut y aller au rebond. Voilà. On va y passer par en haut, je pense. On va passer par en haut. Genre. C'est la revanche des coups pas volants, hein. C'est parti ou quoi? Encore un. Oula, le 3-2, ça faisait longtemps. La petite fleur pour les 20 secondes, même si on en a pas besoin, c'est pas grave. Vous montrer comment ce niveau là je peux le tracer. Donc il arrive plutôt en début de partie. Raté. C'est pas avant là. Ça c'est la fin là. Là c'est la fin. Non, c'est bon. C'est bon, c'est pas la fin. Ça passe. Comment il a accroché au mur? Hein? On m'en dirait des nouvelles. Celui à l'angle en haut à gauche là, nouveau vraiment là. Bowser qui va nous embêter. Oh, il va aller sur les blocs. D'où il va sur les blocs d'aussi loin? Stratégie.
coup de flip là. Voilà. Mince le temps, eh oh. Vite, 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 l'étoile, l'étoile, l'étoile. Oh, il manque, il va m'avoir autant. Il va m'avoir autant. Yes. C'est fini. Voilà, c'est fini. Il m'a eu autant. Face à ça, on passe. Face à ça, on peut rien faire. On peut vraiment rien faire. Bon, top 3. Correct. Alors, on a affaire à qui ? À JVN ou à Pitosto ? Pitosto qui est sur le 6-2. Voilà, synchro de la plante Piranha et GG. C'est vraiment rien. Allez, on fait ça là. Encore une, encore derrière, je pense. Et après, on coupera. Ouais, faut pas s'attendre à ce que les streams Mario 35 durent 3 heures. C'est assez répétitif, vous voyez bien. Donc, c'est autant pour moi que pour vous. Si on peut avoir un top 1, un top 1, comme dirait top ou top, la couleur top, la couleur top, comment vous direz ça vous? Voilà, j'ai fait le con et du coup je perds un ridicule. Thank you.
Je l'ai pas senti. Je l'ai vraiment pas senti. Non, c'est bon ça. Je pensais qu'il allait vraiment m'embêter plus que ça. Oh non, les nuages, ils sont là. Au secours. Mais je peux pas la voir, lui. Vite, l'étoile. L'étoile. Yes. Oh, mais c'est l'invasion, là-haut. On se prendrait dans le nord de la France avec tous ces nuages. Un pao, une étoile, quelque chose. Yes. Ça, clairement, je le sentais pas. Ah, salut Dragon, je me disais bien que t'allais réagir. Là qui tue parce qu'ils vont arriver hein. Il peut pas y avoir que celui là là en haut hein. Je peux l'achever là, là. Yes,
Oh, la barrière. Le retour. Ah ben, il a pas fait long feu lui. Ah. C'est bon. Et là, là ça va être un drame. Là ça va être un drame. Non mais si j'ai des bloops en plus des Lakitu, on va pas s'en sortir par contre. Excusez-moi. Ok, c'est la merde. Non, j'ai dit non. Merci. Purée. Il me faut l'étoile. L'étoile, vite. L'étoile, l'étoile. Est-ce que je peux tenir jusqu'à l'étoile? L'étoile, c'est bon. Allez, go, 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 go. Faut que je le termine là, le niveau. Yes! Oh non, le 4-1! Mais il y a des. C'est le niveau des Lakitu. Si en plus on rajoute des Lakitu à des Lakitu, ça s'annule pas. Hein. Voilà. Là, c'est. Tant pis, pas grave. J'ai fait combien de 2? C'est ça? Top 2? Dommage. Les nuages Lakitu m'a hantise. Vraiment. J'ai été battu par un japonais. Bah si c'est un japonais du coup. On va pas dire grand chose hein. Lakitu m'a tué. Ouais. Bon, allez, une dernière. Une dernière. Et après on ira manger, préparer à manger. C'est la dernière et après on se retrouve à 21h. Bon, il y aura pas de pause, il y aura le stream coupé après. On se retrouve à 21h pour du Dofus. Avec les copains Imagiro, Loulou et Yakipon. Apparemment, on a 2 donjons de prévus sur Dofus ce soir. Moi, je vous savais, Dofus. J'y vais, je suis. Hein. Je me dis qu'il y a du donjon, je fais du donjon. Donc, pour ceux qui s'intéressent, sinon, on se retrouve demain à 14h sur du Mario, mais pas celui-là. Mario 3D World. Parce qu'on l'a pas tout à fait fini encore. Et demain soir, soirée commu avec des gens sur Discord. Gardiphone et Scribble. Si ça vous tente, vous pouvez nous rejoindre. Hein. Ça, clairement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous rejoindre sur Scribble. Ça rejoignez Discord. Il y a plein de choses cette semaine qui sont prévues. Plein de choses. Vous avez le planning. Juste en dessous de l'écran du stream, vous avez le planning. Sinon, c'est très facilement. Vous allez sur Twitter. Et Instagram aussi, Twitter c'est plus rapide. Ouais. We'll be right back.
Oh. Thank you.
nullité. Bon, étoile et on récupère le champignon du dessus. Hein. Là, c'est cool. Voilà. Mais je viens d'apprendre, c'est sérieux? C'est lui 2. Oh non. Ouais, il a gagné ça. Regardez-moi le saut que je dois faire. Hop là! Allez, ça c'est fait. Et le temps qui me reste là. Non! Oh, j'ai eu peur et. Allez, ça c'est bon. Mais j'ai perdu quand même. Ah oui, j'ai perdu. À moins de tracer à l'étoile. Non, là, c'est dig 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 dig. Voilà, c'est bon. Voilà, top 2, il a gagné sur le temps. Il a gagné sur le temps. Bon. Dommage. En même temps, je m'attendais pas à tomber sur le 8-2. Ça, je crois que c'est la première fois que je tombe dessus. Je crois. Suki il s'appelle, celui qui m'a battu. On va regarder un peu ça.
que c'est le build 2? Ouais, c'est le build 2. Ouais, j'étais pas... Bon, bah ça c'est fait. Il me restera le 8-4 et valider le 7-4 que j'ai toujours pas validé. Il manquera le 7-4. Un jour, ça tombera peut-être avant le 31 mars. Ça c'est galère. Bon, ouais, je vous le montre, ce que je vous ai parlé en début de stream, les stats. Résultat récent, attention, c'est pas ouf. Hein. Une position moyenne 6 avec un... J'ai commencé tout à l'heure en étant 11. On a fait quoi? On a fait 6 parties là sur ce stream. Et juste avant le stream, j'ai fait une partie juste comme ça, pour faire des réglages de test, et j'ai fait 16, donc j'ai un peu bon. Donc le 16 là, il me fait un peu mal. Mais sinon, ouais, je tourne pas trop mauvais, mais j'ai pas fait top 1 depuis 10 parties. Un peu déçu. Enfin, pour la prochaine fois. On se retrouve très vite. Ah, une blague avant de partir. Une blague avant de partir. Quel est le sport le plus silencieux? C'est le parachute. Voilà, ça me plaisait. Je vous laisse là. On se retrouve à 21h, là maintenant, là, à 21h, dans pas longtemps, pour jouer à Dofus. Demain, 14h, Mario 3D World. 21h, Garcifon, Scribble. Plein de choses arrivent. Et mercredi soir, une émission de radio sur Twitch. Donc suivez tout ça, vous connaissez, abonnez-vous sur Twitch, les follow, tout ça, Discord, Facebook, Instagram, Twitter. Passez une bonne soirée, un très bon appétit, c'est l'heure d'aller cuisiner, manger équilibré, clin d'œil. Et je vous retrouve à 21h sur Dofus avec les copains. A tout à l'heure. Cordialement bisous, j'oubliais.